Madame Abbé habite à Shimonoseki. En japonais, bien sûr. To, Ichido. Abe-san wa Shimonoseki ni sundeimasu. Sugoi ne! Abe-san wa Shimonoseki ni sundeimasu. Un cours de japonais dans une école à Abidjan. Depuis 2005, cet établissement privé a intégré dans ses curricula l'enseignement de la langue japonaise. Question d'apporter un plus à la formation, une initiative fort appréciée par les bénéficiaires que sont les élèves. J'ai appris plusieurs choses, comment on peut saluer, comment parler avec mes camarades, comment discuter de certains sujets. Ça peut m'apporter beaucoup. Je peux aller passer mes vacances là-bas. Je peux être aussi un cadre japonais. Cyprien Yaoui est l'un des deux enseignants de cette langue. Il a fait ses études au Japon. Pour lui, apprendre le japonais est un atout considérable. Au niveau de la technologie, j'ai trouvé que le Japon était un pays qui avait une technologie de pointe. Et il était question pour nous de pouvoir apprendre à maîtriser les outils des Japonais en passant par les langues. Atsusa Hashimoto est consultante à l'ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Sa structure n'est pas restée indifférente à cette initiative. Elle apporte une assistance technique pour l'enseignement du japonais à cette école. Il y avait beaucoup d'entreprises japonaises, même en Côte d'Ivoire, mais ils sont tous partis. Mais je pense qu'avec le temps, ils vont revenir. Et si les étudiants commencent à étudier la langue comme ça, quand ils reviennent, ils vont avoir plus de chances pour avoir l'opportunité de travailler avec. C'est depuis avril 2013 qu'a débuté la collaboration entre l'école et l'ambassade du Japon. Les élèves et tous les acteurs impliqués dans ce projet espèrent que cette initiative permette l'ouverture des portes des entreprises japonaises aux jeunes élèves.